Auf der Heide blüht ein kleines Blüm. Ouais, c'est littéralement le genre de truc qui me fait marrer. Ne me demandez pas de me justifier, s'il vous plaît. Ne jugez pas mon humour. Vous me connaissez, je rigole vraiment pour rien. Je suis le genre de mec à qui tu vas montrer un bout de plastique, je vais rigoler. Pourquoi? J'en sais rien. C'est vrai qu'il est drôle, ce bout de plastique. Allez, j'arrête. Aujourd'hui, nous allons réagir aux TikTok les plus drôles selon ma sélection. Clairement, le mec ne se prend pas pour de la merde. C'est ma sélection, donc c'est les TikTok les plus drôles. Il est vraiment drôle, ce bout de plastique, je trouve. Les gars, les filles, faites-moi péter les likes sur la vidéo. Ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas le petit commentaire pour le référencement. Oui, paraîtrait-il que ça chatouille l'algorithme. Pourquoi pas? Et je vous invite aussi à venir vous abonner à ma deuxième chaîne. On est presque 40 000, les mecs. Oh, et n'oubliez pas le petit lien G2A pour acheter vos jeux moins chers. Ça se trouve dans la description. Faut que j'arrête avec ça. Ouais, je connais déjà la plupart des TikTok puisque c'est moi qui les ai likés. Il me fait trop marrer ce petit chat. Comme ce bout de plastique d'ailleurs. Faut que je le perde, c'est ma source d'humour. Moi à 7 ans quand j'allais dormir chez mon pote. Bonne nuit à toi aussi mon pote. Déjà rien que le fit me fait marrer. Prout. En fait, c'est le titre qui me fait marrer, les mecs. Vous étiez comme ça, vous aussi, quand vous allez chez vos potes? Ou est-ce que vous êtes toujours comme ça quand vous allez chez vos potes, d'ailleurs? Yes, I parle. Je parle. You lie. Les mecs, je crois que c'est un mec. Je crois que c'est un mec. Je crois que c'est... Stéphane. Stéphane. Tu peux appeler Eric Zemmour, s'il te plaît. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Profitez-en pour aller vous faire enculer. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Normal. Je sais, je like des trucs bizarres. En passant, mon compte TikTok, c'est JolatYTB. Si vous voulez venir vous abonner. Les scientifiques ont découvert le vrai bruit du T-Rex. Ça doit être une connerie, sûrement, si je l'ai liké, hein. Je m'en souviens plus, mais ça doit être une belle connerie. Yeah. Voilà, c'est pour ça que je l'ai liké. Ça m'avait fait marrer. C'est quoi ça encore? Mais wesh, pourquoi il a été aussi violent? Tu peux me dire à quelle vitesse je vais propulser cette voiture à l'arrêt? Alors, des forces opposées ici, j'ai mis, il y en a plein la piste, des rouges, des verts et des bleus. C'est clair pourquoi il était aussi violent. Quoi. Les éviter, les rencontrer. Regarde-le, Fred, il est sans scrupule, quoi. Il a failli faire le coup du lapin. Il aurait pu briser la nuque. C'est quoi ça encore? Ok, d'accord. Des fois, il y a des trucs qui font peur, il y a des trucs qui sont chelous. Il y a surtout plein de trucs chelous, en fait. Comme par exemple celle-ci. Qui danse comme ça? C'est des malades. Dernier tour, les amis, est-ce que vous dans le... Dernier tour, attention, dernier tour, les amis! Terrible. Alors, let's go. Ok, let's go. Bah, tu m'étonnes, mon gars. Le pauvre, il donne une feuille de salade, quoi. Il l'a pris pour un lapin. Moi, adoptant un chat tout mignon. D'où l'expression « sans battre les couilles ». Pourquoi j'ai liké ça, c'est quoi? Ah oui, ok, d'accord. Je l'avais même pas vu. Parce qu'il y a un chat juste ici. Je me demandais qu'est-ce que j'ai liké. Je like tellement de trucs aussi, c'est pareil quoi. Mais en général, ouais, c'est parce que j'ai trouvé des trucs drôles ou intéressants, ça dépend quoi. Elle est marrante celle-là. Je te tais. Ma vue tous les matins. Il est pas content, chien. Il a pas l'air en tout cas. Il a pas l'air de bonne humeur. Pourquoi il regarde mal comme ça lui d'abord? Ça m'a fait marrer. Bouffe tes morts. Pauvre Kama, il a rien demandé. Bouffe tes morts. Bon, il a un peu mal articulé, mais. Tiens, ça lève FDP. Petit truc pour.
pour estimer la taille du pénis de quelqu'un. Okay. Il y en a qui disent de regarder les pieds, mais non. Ouais. Il y a une étude qui dit que, en fait, pour résumer cette étude, si l'index est plus court que l'annulaire, le pénis serait peut-être plus grand. Si par contre l'index et l'annulaire font la même taille, il sera peut-être plus petit. Les chercheurs expliqueraient ça par la On va passer à la vidéo suivante. Moi j'ai 7 lettres. Ah, avec quel mot? Son visage à la fin. Hein? Avec quel mot? Le mot? Oui, le mot de 7 lettres. Ah oui. Le vôtre. Moi je dis Hagra. Hagra. Hagla. Hagla. Hagra. Bah, oui, nous avons des dictionnaires français, Ariel. Et ce n'est pas encore entré. Mais Hagra. Tous les deux vous connaissez. Ouais. Bah oui. Non, c'est pas dans le dictionnaire. Oui, non, effectivement. Réclamation du côté de Kimina, oui. La raison, c'est pas dans le dictionnaire on français, donc c'est refusé. On est d'accord, Ernesto. C'est pas dans le dictionnaire. Oui, mais l'académie, qu'est-ce qu'ils font aussi? Les gens, ils sont en retard avec. Mais Hagra, bah, je suis désolé. Hein. Non, c'est pas Hagra, c'est Hagra. 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 Voilà, voilà, c'est ça. Bien. Donc, Hagra. Hagra, c'est refusé parce que ce n'est pas dans le dictionnaire. Et oui. C'est dommage, hein, c'était une proposition en 7 lettres. Et donc, j'ai gagné quoi? J'ai gagné de l'argent. Bah, là, vous avez perdu le match, en l'occurrence. Mais donc, on gagne quand même de l'argent, combien? Vous avez gagné. Gagné quoi? Un dictionnaire, regardez. C'est sérieux, là? Si. Moi j'ai 7 lettres. Ah. Non mais attendez, c'est une connerie, dites-moi, c'est une parodie. La légende raconte qu'il maîtrise tous ses chakras. C'est quoi comme animal ça? C'est pas un blaireau ou... Non. La légende raconte qu'il maîtrise tous ses chakras. Il a dit répulsion céleste. Oh putain. Lui, ça se voit, il est né dans un monastère avec des Shaolin. Le pauvre. Franchement, c'est un animal, tu sais. Bah, l'autre derrière, il a dû lui faire peur avec la caméra, tu vois. Et puis lui, il se met en position de défense, quoi. Ça doit être comme ça qu'il repousse les prédateurs. Le pauvre. Franchement, ça me fait rigoler, mais ça me fait aussi un peu de la peine, tu vois. Parce que voilà, tu fais pas peur aux animaux comme ça. Qui a osé faire ça, lol? C'est quoi ça? Ça doit être pour ça que je les like. C'est vraiment des bâtards. C'est vraiment des enfoirés quoi. T'as pas le droit de faire un montage comme ça. T'as pas le droit. C'est pas bien franchement. Et franchement, on doit pas rigoler à ça. Si vous rigolez à ça, vous allez en enfer quoi. On va tous aller en enfer les mecs. Pardon. C'est dégueulasse les mecs. Eh, pardon. Non, franchement, non, j'enlève ça les mecs. Si vous avez rigolé, on n'a pas le droit de rigoler à ça, franchement, non. Moi, je respecte, vraiment. Putain, j'ai encore débranché mon fil internet, tu vois. C'est pas bien ce que j'ai fait. J'ai liké ça parce que j'ai trouvé ça peut-être un peu drôle sur le coup, mais... Pardon, je vais aller en enfer. J'ai rebranché mon fil internet. C'est interdit, les mecs. C'est interdit de rigoler, les mecs. Et je m'excuse vraiment de ma réaction. Des fois, je rigole à des trucs qui sont pas très drôles. J'enlève ça. Excusez-moi. On va passer à la vidéo suivante. C'est pas bien. Moi et mon pote à 3h du matin. C'est son rire. C'est son rire qui est contagieux, les mecs. Ah putain, les mecs. Oh là là. Stop, arrêtez. Je vais avoir des droits d'auteur, les mecs. Pauvre, il est à l'anniversaire de tante Sylvie. Quand tu te fais chier dans une soirée, tu vois ton meilleur pote arriver. Mort, pas de famille, be like. Oh non. Arrête le son, c'est peut-être mieux. C'est marqué, les mecs. Hein. C'est marqué là. Ne vous inquiétez pas, il va bien maintenant. Oh. Oh, le pauvre. Le pauvre. J'ai liké ça, moi, sans aucun scrupule. Je suis dégueulasse. C'est quoi ça?
Il y a des trucs, les mecs, j'ai liké, je sais pas pourquoi. Il y a des trucs vraiment, j'ai liké, je sais pas. Je pense ça m'a fait rire, mais. Voilà, ça m'a fait rire. C'est débile, hein. C'est tout con, hein, mais voilà. Je le trouve drôle quand même, ce bout de plastique. Moi. Eh les mecs, il a acheté une chaise. C'est exactement ça quand tu vas chez Lidl. C'est exactement ça les mecs. Parce que ils sont pressés à la caisse. Tu sais, c'est des magasins Lidl. Ils essaient tellement d'économiser de la main d'œuvre pour avoir les prix les plus attractifs qu'au final, ils ont un employé qui fait tout dans le magasin. Il fait le ménage, il fait la caisse, il fait les vitres, il fait tout le mec. Tu vas dans d'autres magasins, des fois, par exemple Leclerc ou je ne sais quoi d'autre. C'est quand même, tu vois, c'est plus lent. Lidl, tiens, il te balance des courses à la gueule, mon vieux. Allez, dégage, client suivant, j'ai pas le time, mon gars. Ouais. Regardez quand il est blasé, le mec. Enfin, le mec, le chat, je veux dire. On dirait qu'il est mis sur pause, quoi. Il a débranché son cerveau, il s'est mis sur pause. Aucune réaction. Blasé. Bon, alors celle-là, elle est magnifique. Il descendait normal, puis après, il a trouvé un truc plus drôle. Elle est magnifique, celle-là. Je la connaissais déjà, mais... il est dangereux quand même. Regardez. Tu te demandes pourquoi il a fait ça quand même. C'est tout con, hein, mais ça me fait marrer. Ouais, bien écoutez les mecs, on va s'arrêter là parce que ça pourrait encore durer longtemps, des TikTok, genre là, que des centaines et des centaines. Hein. En tout cas, si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit like. N'oubliez pas que vous allez en enfer si vous avez rigolé à certaines choses qui n'étaient pas drôles. Pas grave, on se rejoindra. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, vous me mettez ça dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde.